Nous sommes à Hardipool, club des herbiers. C'est ici que Baptiste vient s'entraîner deux fois par semaine, sous les yeux de son coach. Tu n'essayes pas de venir la chercher, la noire? Non, non, mais... Ok, allez, fais-moi voir. À 15 ans, Baptiste Mario est devenu la locomotive du club. Un exemple à suivre pour tous ceux qui aimeraient le rejoindre en équipe de France. Non, je suis pas la star du club. Enfin, je sais pas. Après, je pense quand même qu'ils ont envie de faire ce que j'ai fait, mais des fois, je leur donne des conseils sur le comportement, sur certains. Parce que ? Parce qu'ils ont des problèmes de comportement, ils se comportent pas bien. Car en billard, vous vous devez d'être exemplaire, fair play et surtout, ne jamais manifester votre colère. Des qualités que Baptiste exploite au maximum. C'est un joueur très, très appliqué, très assidu, il comprend vite. Et voilà ce qui lui donne cette force-là d'aller en équipe de France. Et la chance qu'il a aussi, c'est qu'il a une table chez lui et travaille beaucoup aussi, parce que je lui donne des exercices à faire à la maison. Clarisse, la grande sœur, et Quentin, le petit frère, sont à l'occasion de nouveaux adversaires. Et lorsqu'il se retrouve dans sa chambre, sa médaille d'or au dernier championnat d'Europe n'est jamais posée très loin, comme pour bien se rappeler d'où lui vient cette passion. Depuis 6 ans maintenant, je fais du billard parce que j'avais un ami en primaire qui faisait du billard et qui m'a amené à un cours. Et j'ai bien aimé, donc j'ai continué. Baptiste fait donc des émules aux herbiers dans le club qui possède le plus de licenciés jeunes en France. Chef de file de la nouvelle génération, il entend bien poursuivre cette progression. Moi, j'ai envie de continuer d'aller en U18, en U23, en senior. Je veux continuer à aller en équipe de France, performer. Et devenir la référence du billard en France ? Bah, pourquoi pas ? Mais au moins d'être parmi les meilleurs. Prochaine échéance, un stage à Paris au mois d'août pour les moins de 18 ans. D'ici là, pas question de laisser tomber la pratique. Et là, tu fais yes !